Bon, vous l'avez compris avec l'introduction, pour cette vidéo j'ai franchi les Alpes, je me trouve en Italie pour pêcher les esturgeons. Donc là c'est mon premier matin, ça c'est déjà le deuxième de la journée, vous avez vu j'ai eu un départ quasiment en direct, j'en décroche un, j'en raccroche un juste derrière sur la deuxième canne. Donc ça c'est plutôt un petit poisson par rapport à ce que j'ai pris hier. Je suis arrivé hier après-midi et j'ai pêché la soirée, hier soir je fais 6 poissons. Je pense qu'il y en a 5 autour des 30 kg et il y en a un vraiment très gros, donc j'ai rien pour peser. De toute façon, des poissons aussi gros, c'est trop la galère, surtout tout seul. Donc je vais remettre celui-ci à l'eau et puis je vais essayer de rattaquer un suivant. Puis je vous expliquerai plus en détail au cours de la vidéo ma pêche, le matériel, l'Italie et la pêche de l'esturgeon en Italie. Bon ben voilà, celui-là il est maillé. C'est le troisième de la journée. Ça commence pas trop mal. Que des transmontanus pour l'instant. Donc c'est le neuvième depuis que je suis arrivé. Voilà, ça c'est la taille moyenne. Ouais, je sais pas combien ça fait. On commence à avoir du mal. Oh, allez, soulever. On doit pas être loin des 30 kg je pense. Hein. Quelque chose dans le genre. Hein. Voilà, des beaux poissons. Voilà mon copain qui repasse. Allez, je le remets à l'eau et je vais vous montrer un petit peu le matos qu'on utilise. Hein. Vous avez vu sur le combat tout de suite, on tire sur le matériel, c'est l'habitude ici. On utilise du matériel très fort et pour brider vraiment fort le poisson. Allez, je le remets à l'eau, je vous montre ça. Voilà, donc je reviens vite fait sur le matériel. Donc ici, bah, ils ont pas mal d'habitudes différentes. Il y a des petits trucs qui sont rigolos, des petits trucs sympas. Et puis surtout, on doit s'adapter à la taille des poissons, hein, puisqu'on a des esturgeons de plus de 100 kg en transmontanus et en beluga. Donc c'est des très gros poissons qu'il faut pouvoir brider. Donc voilà, il faut du matériel en conséquence. Donc au niveau de la canne, il y a un truc super important. On a des moulinets, là j'ai mis des Saragossa Shimano sur lesquels il y a 20 kg de frein. Donc quand on parle de ce type de freinage, et bien c'est loupé. Voilà, donc suite à ce petit départ loupé, j'ai remis la canne à l'eau. Donc je disais, oui, il y a 20 kg de frein sur les moulinets. Donc il faut tenir les cannes, hein. Ça tire très fort. Donc il y a un accessoire vraiment indispensable pour ne pas se faire mal. C'est une grosse boule en caoutchouc qu'on met à la base du talon. Comme ça, on peut vraiment mettre bien comme il faut la canne dans l'aine. On ne sent pas, enfin ça atténue la douleur, on va dire. Parce que franchement, depuis hier soir, là déjà, derrière le dos, les épaules, les coudes, ça, c'est physique, c'est vraiment très physique. Heureusement qu'il n'y a pas un départ toutes les deux minutes, parce que c'est vraiment très très violent, les combats sont énormes. De nuit là, hier soir, donc on ne voit rien faire le poisson, on entend un plouf, le truc qui décolle au ferrage. Le gros que j'ai pris hier soir, là, je le ferre, il sort de l'eau, ça plouf, franchement de nuit comme ça, ça fout vraiment les jetons. Enfin bref, c'est une pêche, c'est pas de la rigolade, là ça envoie du lourd. Hein. Donc après, voilà, donc les cannes, je l'ai dit, hein, c'est des surf casting en 220 grammes, 250 grammes de puissance, en 4,20 m de long. Et puis, ben voilà, hein, la grosse tresse sur le moulinet, frein serré à bloc, et puis on se couche en arrière juste après le ferrage pour tirer sur le poisson et brider le poisson au maximum pour pas lui laisser prendre des vitesses. Quoi.
Ciao. Ciao. Buona mano. Francese. Do you need some help? Oh, you speak English? Yes. Nice. Oh. Oh. André, vieni a vedere questo che bello. Allora, voilà. Le premier beluga de la série. Très beau poisson. Un vrai beau beluga. Ça fait plaisir, ça change des transmontanus. Allez, je la remets à l'eau. Oh. Nice. Thank you. Bye. Grazie. Allez, c'est reparti en mode nocturne. Premier départ de la soirée. L'après-midi a été un peu calme, mais là c'est chaud. C'est reparti. Allez. Beluga. Bon là c'est super chaud. Je viens de sortir le beluga là. Je le remets à l'eau vite fait. Et j'en ai un autre au bout. Ça envoie du gros. À peine la nuit tombée, c'est parti quoi. Là je viens de relâcher un petit beluga. C'est reparti direct sur la deuxième canne. Ah, je vais pas tenir toute la nuit comme ça. Oh, c'est lui qui vient de sauter là. Oh, le bœuf. Ah, je pense que c'est plus gros là. Là. Je suis content d'avoir fait une sieste cet après-midi parce que là, pour tenir, ça va être chaud là. Sacrée soirée qui s'annonce là. C'est violent. Ouais, un beau transmontanus là qui est en train d'arriver là. Ouais, il m'a mis une misère. Ça y est, il monte en surface. J'en peux plus, ça y est. La soirée a commencé sur les chapeaux de roue. Un beau beluga, pas énorme hein, mais pour ici, mais bon, c'est déjà un super beau poisson. Il faisait déjà largement plus de 20 kg. Et j'enchaîne direct, pas une seconde de répit, avec ce beau transmontanus. Ça, c'est à peu près la taille moyenne qu'on trouve ici. Ah, des poissons qui passent largement les 20. Un poisson de 30 kg, je vais même pas le soulever, j'en peux déjà plus. Je vais garder mes forces pour le reste de la soirée. Voilà. Un beau doublé pour attaquer la soirée, c'est le top. Beluga transmontanus. Allez, je le remets à l'eau, je vais reprendre des forces et je relance. Bon, je sais pas comment je vais finir ma soirée, moi, mais je vais être mort. J'ai même pas remis les deux cannes à l'eau, la première est repartie direct. Un gros beluga. Regardez ce poisson. C'est ça que c'est bon. Et voilà encore un poisson de rêve, un super transmontanus, oh, sacré morceau encore. Oh.
Ah, j'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà. Oh, il fait 2 mètres de long le bordel. Oh là là, les bestiaux, c'est pas croyable. Il est tout blanc. Un vrai transmontanus magnifique. Voilà. Allez, je vais couper la caméra pour ce soir. Je vais essayer d'en faire encore un ou deux avant d'être complètement ruiné. Et je vous dis à demain quand il fera jour. Bon, ça y est, je vois enfin la couleur du soleil italien. Là, ce matin, il y a eu un super beau lever de soleil. C'était magnifique, tout rouge, là, vraiment superbe. Par contre, la matinée, la journée de pêche, totalement nulle. Zéro poisson, il se prend un ou deux poissons sur le lac. Ça ne mord pas du tout. Donc, contrairement aux deux soirées que j'ai pu faire sur le 48 heures, où là, je me suis fait massacrer, hein, j'ai plus de bras. Vraiment, là, je suis rincé. Donc ce soir, là, je vais me faire une petite soirée à l'hôtel et puis profiter de la gastronomie italienne pour aller sur un autre plan d'eau demain. Donc j'espère que j'aurai autant de réussite qu'ici, hein. J'ai vraiment trouvé les bons montages, les bons appâts. Je casse pas, je fais juste 2 décroches, je sors 18 poissons. Je pense que la moyenne est au-dessus de 30 kg, hein. Et puis avec un très gros poisson, je me suis fait plaisir avec ce poisson-là. Voilà, donc une petite pause et demain je rattaque sur un autre lac. Allez, à demain. Voilà, ça y est, j'ai changé de lac. Donc ici, c'est très différent, beaucoup plus de touches. La moyenne des poissons est plus petite pour l'instant. Voilà, je pense qu'il y a une densité beaucoup plus importante de petits poissons comme ça. Allez, j'en mets celui-là à l'eau. Bon, ça a été relativement rapide. J'ai même pas le temps de poser sur le détecteur là. Et voilà, je vous le montre parce que c'est mon premier diamant ici. Beau poisson. Bien en forme, magnifique. Et voilà à peu près le 30e poisson sur le lac. Enfin un joli. Je sais pas trop combien ça pèse, mais c'est un beau poisson, un beau transmont,
gros combat, bien bloqué par la canne. Super coup de ligne, la pluie est arrivée, mais là, c'est pas un problème. Allez, je leur mets à l'eau. Allez, le jour se lève sur mon dernier jour de pêche en Italie. Donc là, il est 6h du matin et ça fait un petit moment que je pêche, donc j'en ai déjà pris 3-4. Là, je viens de prendre celui-ci. Voilà, poisson moyen, comme on trouve beaucoup ici. Un petit transmontanus. Voilà. Donc là, j'ai passé la barre des 50 poissons depuis que je suis là, donc en moins de 48 heures, avec beaucoup de poissons de cette taille-là. Ça fait des beaucoup de lignes, c'est sympa. Et puis de temps en temps, un gros qui tape au milieu. Donc là, il me reste un dernier jour pour essayer de faire un vrai gros saut. Un vrai gros d'Italie. On croise les doigts. Voilà les dernières heures de pêche. On se dit à tout à l'heure. Alors, je vais prendre le temps de vous montrer rapidement le matériel que j'utilise un peu plus précisément, et notamment le montage. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai des cannes surf casting avec des Saragossa taille 20 000. Et de la tresse Power Pro 4 brins en 50 centièmes sur le moulinet. Voilà, ça c'est très costaud. Là j'ai pris presque 20 poissons sur le premier lac, une bonne cinquantaine là maintenant sur le deuxième. J'ai pas de casse, quelques décroches, mais j'ai pas de casse du tout. Donc le montage fonctionne assez bien. Donc pour le bas de ligne, j'utilise la tresse Strike 4 en 50 kg. Donc j'utilise l'hameçon Silure Single, donc un hameçon VMC bien sûr. Donc celui-ci est très fort de fer. Je vous montre plus en détail. En fait, j'ai utilisé d'autres modèles pour commencer, qui me paraissaient déjà bien balèzes, des hameçons Big Game. Mais il s'est avéré qu'ils n'étaient pas assez forts de fer. J'en ai ouvert un sur un gros ferrage où j'étais accroché à un caillou, je pense. Et sur le ferrage, j'ai ouvert l'hameçon. Je suis passé à la taille au-dessus et depuis, ben, j'ai pas eu de soucis. Donc j'utilise ça. Voilà, en 5-0, c'est costaud. Ça paraît un peu balèze, mais c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc on écrase l'ardillon, bien sûr. Donc voilà mon montage prêt à pêcher. Donc ici, on a le plomb coulissant avec la perle en caoutchouc qui va protéger le nœud de l'émerillon. L'émerillon donc qui va connecter le corps de ligne et le bas de ligne. Et donc mon hameçon au bout avec un montage aux cheveux. Hop, et en direct. Ça c'est bon ça. Oh, c'est un plus petit. Voilà, clairement le plus petit poisson du séjour. Donc vous voyez, faut pas hésiter. Hameçon 5-0, fort de fer. Et on prend un petit poisson comme ça, par la bouche bien sûr. Donc c'est. Voilà, faut pas hésiter à mettre assez gros. Ça permet de prendre les gros et on prend aussi les petits.
Voilà encore un beau steak au tapis. Un beau poisson, un beau gros transmon, un petit câlin. Voilà, c'est encore pas un des gros monstres du lac, puisqu'il y a pas mal de poissons de plus de 100 kg ici. Dans l'autre lac, il y avait des poissons de plus de 140 kg. Il y a vraiment des gros gros monstres. On tombe pas dessus tous les jours. Donc moi j'ai quand même eu la chance de tomber sur trois beaux poissons comme ça ici sur ce lac. Ça fait déjà des beaux petits, des beaux steaks, hein. Beaux poissons. Bon ben voilà, j'arrive au bout de mon séjour en Italie. Je me suis bien éclaté, même explosé je dirais, dans tous les sens du terme. Franchement j'en peux plus, j'ai fait 2,48 heures, j'ai les bras en compote, le dos il n'y en a plus. C'est hyper physique, c'est un truc de fou. Mais bon, ça vaut vraiment le coup, je me suis bien éclaté. Donc là je finis celui-ci à plus de 70 poissons, là le compteur est à 71 poissons. Il me reste une heure de pêche, donc voilà, je passe les 70 poissons sur le deuxième 48 heures. Donc voilà, comme je disais, beaucoup plus de touches, hein. On a deux lacs très différents. Le premier, moins de touches, mais des poissons plus gros, enfin une moyenne plus grosse. Et puis aussi dans le lac, voilà, il y a des 140 kg, c'est énorme. Et le deuxième lac, donc voilà, beaucoup plus de touches. Des touches la journée aussi, ça c'est une grosse différence, parce que sur le premier, il n'y a pas de touches le jour, c'est que la nuit quasiment, je fais un ou deux poissons dans la journée. Et ici, donc ça mord un peu plus la journée, même beaucoup mieux. Et donc voilà, c'est vraiment un lac très sympa. Bon, c'est vraiment physique, hein. Je pense que j'ai des énormes bleus à l'endroit où je tiens la canne pour ferrer, à l'endroit où je la porte pour combattre les poissons. Voilà, c'est assez extraordinaire comme expérience et ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Donc ce qui est super, c'est que j'ai rencontré pas mal de monde, des pêcheurs italiens, donc j'ai appris des techniques de pêche différentes. Donc il y a des choses que j'ai gardées, d'autres que j'ai pas gardées, comme j'ai pu vous expliquer dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est très enrichissant là, de voir ces pêcheurs, la façon dont ils pêchent, la façon dont ils se comportent entre eux aussi, c'est rigolo. Nous, en France, on essaye d'aller à l'autre bout de l'étang s'il y a un pêcheur, ben, eux, ils font l'inverse. S'il y a un pêcheur autour de l'étang, ben, s'il y en a deux autres qui arrivent, ils vont venir juste à côté de celui qui est déjà là pour pêcher ensemble, tout simplement, pour être l'un à côté de l'autre, pour rigoler et puis s'aider à sortir les poissons. Donc c'est vraiment une autre mentalité, hein. J'ai vu des choses très sympas. Voilà, c'est un très beau voyage à faire. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette aventure. Et moi, comme d'habitude, je vous dis ciao à tutti.